Bon, vas-y, on s'en fait une dernière, Roby? Une petite dernière, ouais. C'est ce que j'avais proposé. Bah, écoute, tu vois, on est sur la même longueur d'onde, toi et moi. On a le même niveau, on a le même humour. Exactement. Vraiment, mec, on est juste deux jumeaux, quoi. Franchement, j'ai rien à t'envier, t'as rien à m'envier. Ah, carrément. En famille, c'est pas possible. C'est pas faisable, ça. Enfin, je crois pas, hein. Ça dépend de certains pays, peut-être, mais en France, c'est pas légal. Tu fais rien avec ton frère, tu fais rien avec ta sœur. Ah, il y a un problème. Ouais, ouais. C'est mes conneries, ça. Ça ressemble beaucoup aux conneries que je fais habituellement. Voilà. Pas de problème, c'est réglé. Il y a des gens dans ma maison, là. Je mets des fintechs. J'arrive, hein, j'ai un chasseur, je suis énervé. Ouais, vas-y. Prends ton temps. Il y a un mec qui monte à l'étage, là. Je peux pas t'aider. C'est toi, les greux? Non, moi, je suis pas là, je suis pas avec toi. Non, il est où? À l'étage. Oh non. T'as le temps d'arriver, Roby. T'as le temps d'arriver, je vais me cacher derrière le pot de fleurs. Non, je peux pas. Non! 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 Fais pas ça! Ah! Oh! Roby! Bah oui, c'est moi qui l'ai tué, j'arrive. T'es mon héros! J'arrive. C'est incroyable, gros, ce que tu viens de faire. Il m'a mis un coup de pompe, un coup de pioche. Non. Il m'a mis un deuxième coup de pioche. Il en a eu marre. Il a pris son pompe pour me finir. Et au moment où je vois le canon de son pompe sur mon crâne, je vois ta balle arriver nulle part et le finir. Même si t'es plus là, gros. Ça, c'est dans ta tête, mec. Je te le mets là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est qui est dans le lobby? Putain, il a tellement mérité. Le sauvetage était incroyable, gros, hein. Vraiment incroyable. Faut que j'ai un clip alors. Parce que le premier gars, il a fini à la pioche, donc je pensais qu'il allait finir à la pioche. Mais je te jure qu'il en a eu marre. Il a sorti le pompe et il meurt instant. Oh putain, j'ai mon sauveur, t'es mon héros, Roby. Vous aussi, adoptez un Roby. Roby.com. Je te jure, je vais inventer ça. Roby.com. Tu peux louer un joueur pro pour faire des games cool pendant une journée. Mais c'est pas grave, je suis avec Roby.com. Regardez. Mais vous aussi, appelez et rejoignez le Roby.com. C'est extrêmement simple, vous lancez des games avec un Roby et vous avez juste à... Oh, j'ai plus de balles. Mourir. T'avais plus de balles, putain, j'ai pas fait gaffe. Mais gros, c'est de la mauvaise pub, ça, pour Roby.com. Ouais, c'est vrai. Donc tu vas pas me niquer mon business, mec. Moi, faut que je fasse des sous, j'ai promis d'être millionnaire à 30 piges. Putain. Ah putain, j'ai plus de balles. C'est déjà la fin, non, de Roby.com. Merde, vas-y, une dernière, compte pas. Dernière, ouais. Non, mais avouez, honnêtement, si je crée le Roby.com et genre on dit que c'est pour combien ça coûte une heure de Roby? Je sais pas. Bah combien? Pas du tout. À ton avis, combien? Parce qu'en fonction de ton prix, ça va déterminer le prix des autres aussi, donc. Bah voilà. Ouais, mais sachant que t'auras des parts dans ce business, toi, vaut mieux que tu te vendes un peu moins cher et limite que tu charbonnes un peu, parce que du coup, ça va te donner envie aux autres de faire la même chose au même prix et on fera un peu de sous sur le dos des autres. Et du coup, toi, en fait, le temps que t'auras investi à faire un peu du Roby.com pas cher, on le récupérera sur quand Kingstar fera un Roby.com un peu, tu vois, un peu moins cher et on récupérera la marge. Donc combien? 10€? 10€ l'heure? Et pas du tout. Ça passe juste une heure, gros, hein. Moi je te fais travailler, mon pote. J'ai vraiment l'impression d'être un proxénète. Moi je te fais... Tu veux du travail? Je vais te trouver du travail. Appelle tous tes copains joueurs pro, je vais vous trouver du travail, moi, les gars. Ah, je deviens fou, c'est qu'il commence à être trop tard. Bah, depuis que tu as acheté ton ordi, la qualité du stream est bien meilleure qualité, mon gars. Merci beaucoup, c'est vrai que j'en parle plus réellement parce que ça fait un petit moment. Enfin, ça fait une semaine, mais c'est vrai que je suis content, très content parce que ça se remarque à l'œil nu. La qualité est vraiment meilleure depuis que j'ai changé de PC. C'est tout l'objectif, hein, j'ai. Mais tu vois. Non. Ah ouais, Roby.com, toi, ça t'a mis au front en fait. Oh, le C4! Il résiste au C4! Regarde-moi ces chacals! Ah, ils sont même pas en forme! Pardon. Oh, lui aussi il a un Roby! Gros, lui aussi il a un Roby! Là, il a un Roby! Je te jure, il a un Roby! Il vient de se faire sauver la vie! C'est son Roby à côté! Regardez! Prenez votre Roby, vous aussi, pour 10€ par heure! Vous avez votre Roby! Je suis en train de rigoler parce que je suis en train de voir le clip! C'est vrai que c'est. Ah oui, c'est incroyable! Je vais le mettre sur Twitter 100%. Il est magique! Oh, je vais le récupérer, je vais mettre sur Twitter, je vais être en mode bientôt ouverture de Roby.com! Hein. C'est énorme! Mais oui! C'est vraiment la tête que tu veux faire! Mais gros, ça m'a choqué! Oh, bah, je pensais que j'étais mort! Tu le vois sortir le pompe! Ouais, mais on le voit! On le voit, il sort le pompe et bam! Il se prend une tête! C'est compliqué l'informatique! Ah là, c'est pas une question d'informatique, là, c'est juste le truc, comment ça marche, genre.
Bah chacun son job, hein. Nous on est joueurs pro Fortnite, hein. Y a des gens, ils sont experts logiciels, experts informatiques, experts en codage, quoi. Enfin vraiment, tout ce qui est en codage, ils s'y connaissent, quoi, vraiment. Enfin... Mais dites-nous votre spécialité sur le chat, tiens. Si vous avez une spécialité, vous c'est quoi, quoi. Enfin vraiment, si vous devez vous mettre dans une seule des catégories, quelle est votre spécialité, quoi. Parce que moi c'est vraiment le niveau sur Fortnite, moi je me mettrais là-dedans. C'est vraiment ça, quoi, que je pense j'ai de plus que les autres. Je sais pas ce qu'ils vont me dire. En vrai, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir quelques petits talents cachés là-dedans, là. Vous êtes quand même très nombreux, je pense que vous avez tous des petits trucs à nous dévoiler. J'ai juste un pont, ma vie est plus la merde. Il y a un mec qui l'a dit, moi, c'est les réglages OBS, quoi. C'est genre, vraiment, c'est son truc, quoi. Ah, faut pas lui parler d'OBS, hein, lui, parce que là, il te fait un monologue. Ah, c'est énorme, votre truc. Ça aussi, c'est énorme. Ça me saoule, ce jeu. Faut même pas, genre, t'amuser. C'est qui met des traps, gros? Au moment où je rigole 2 minutes avec le chat. 2 minutes. Le trap est au premier étage, hein, t'inquiète. Hein. Dès que tu rentres, tu montes. Fais gaffe, c'est juste au premier étage à l'escalier. Hein. Dès que tu montes l'escalier. Rentre, hein. Enfin, mec. Hein. Rentre. Ah, tu l'as pété, putain. T'as pété le piège, gros. Je crois que je l'avais pas eu, ton piège, à l'entrée. C'est le mien celui-là. Moi j'ai pris un autre au premier étage, je suis descendu. Merde, si tu veux, je t'en repose un autre. T'aurais pas des pales derrière, j'ai 0. Tiens, hop, j'aime bien quand tu me demandes des choses. Ah, merci. Ah, maison rouge. Il y en a dans la maison rouge aussi. Dedans ? Ouais, dedans. Je sais pas où, mais dedans. Là, il est sur l'escalier. Oh, sérieusement, quoi, j'en peux plus, quoi. Il descend l'escalier. Quoi de sécurité, pas encore. Il y a encore des autres gens. Il y a 3 équipes différentes là-dedans. Oh, tu m'as fait peur. En dessous, du coup. Ouais, il y en a encore. Moi, je suis un kamikaze, moi. Mais non. Il avait lancé le truc. Je suis descendu après. Je suis vraiment... Ah, le naze. Regardez-moi ce naze. Rez. Regardez-moi ce naze. Regardez-moi ce naze. C'est pas le type. Regardez-le, là. Au sol. Regardez-moi ce nul là. Je pense que je vais le raise en plus. Oh putain, non, fais pas ça. Fais pas ça. La danse du buisson, c'est la danse. Son diable. Danse... Ouais, voilà. C'est le mot magique, tu sais. La danse du buisson, son. Pan. Là, ça doit trop te faire chier, tu dois être au sol, tu dois détester ça. Non, je vais manger mobile en attendant. Oh non, c'est bon. D'ailleurs, c'est la première fois que je te reste de la soirée. Oui, je crois. Putain, ça fait 4 heures qu'on joue ensemble, je te reste une fois. Mec, c'est un peu chiant avec la quête. C'est vraiment le Nublar, quoi. Putain. Ah, là, je suis le Nublar. J'en vois un comme ça, je me frotte les mains, quoi. De ouf. Je comprends ce. Ah, ça, mon Kali. J'ai envie de faire une chute incroyable. Attends, je vais tester. Oh, comment ça, la stop direct. Eh hey, mon Kati, il s'en va. Allez hop. Oh putain, je vois rien que le puissant. Wouhou. Oui. Et on remonte. Ah merde, on peut pas remonter. Ah merde, j'ai pas changé de LOL. Kati. Il est où? T'as niqué le Kati. Mais c'est impossible, gros. T'as niqué le Kati. Non, vraiment, il est où, gros? Rends mon Kati. Rends mon Kati. T'as niqué le Kati. C'est impossible. Jean-Louis. Oh, tu l'as mis dans ta pioche. Il est dans ta poche. T'as pété le Kati, Jean-Louis. C'est pas possible, gros. Non, vraiment, il est où? J'ai cassé le Kati. Oui. Mais tu peux casser le Kati. Kati, il est mort. C'est pas possible, c'est de la ferraille. Ici, Jean-Louis. À la limite, il est tordu, j'en sais rien, mais. Mais je me suis trompé, j'ai oublié de les remettre dans le bon sens. Paniquer notre jouet, putain. Oh, le Kati. Mais il est... Potif ou pas, les gars? Oh non, mon Kati. Moi, je pensais que tu l'avais pris. Non. Tu me faisais une mauvaise blague. Hein. Des gens sur moi, là. Oh putain, j'ai risqué de mourir. Ah, non. Oh ouais, bah. Il a full, je suis sûr. C'est chaud dans ses balles. Ah non. Est-ce que pour eux, ils vont trouver ça bizarre qu'il y ait un buisson ici? Oh là, je me suis fait tuer par ça, quoi. Attends, je vais me mettre dans l'herbe. Attends, je troll. Le buisson qui fait un bruit de radioactivité, normal. Ah, c'est bon. Le buisson est passé en mode. Oh, il m'a vu. Oh, 100% il m'a vu. Il m'a pas vu. C'est trop fort le buisson. Je me rends pas compte, moi, de la force de ce buisson. Hein. Ça, pour moi, c'est pas normal. Comment il me voit pas là? Vraiment? C'est si fort que ça le buisson? Mais le problème, c'est que je peux pas me tourner. Ah là, tu te tournes. C'est un piège! Bon, c'était un semi-piège, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour se cacher en buisson, putain. Parce que c'est vrai qu'avec les pierres, les mecs de distance... Oh là là, le truc back.
Eh mais en vrai, mais je me rends pas compte à quel point c'est fort. Moi pour l'instant, j'ai l'impression qu'on me voit de ouf. Tu sais, tu vois les armes, tu vois la tête, tu vois un peu de mon corps. Normalement tu vois un push ici, enfin genre y'a pas de push en fait. Bah oui, y'a ça aussi quoi. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour poser un buisson, mais les mecs se sont dit non, normal. C'est la nouvelle mage. T'inquiète, ils ont mis des nouveaux buissons. Ah putain. Et parfois ils deviennent agressifs, t'inquiète, normal. Aïe. Bon, bah écoute, Roby, je pense que ouais, il est l'heure. Hein, là, entre tout ce qui s'est passé avec le caddie, moi, je peux plus. Trop d'émotions. Voilà, avec les top 1 et tout. Ouais. Ah, trop de top 1, moi ça me. Ah non, j'ai pas l'habitude. Mais en vrai, vraiment, c'était vraiment cool. Merci, parce qu'en plus, je t'ai prévenu au dernier moment et tout, en mode. Oui, bah j'ai vu ça, j'étais là en mode bon. Ça fait plaisir. Non, merci, mec. Merci beaucoup de t'être libéré pour ça et tout. Ça fait plaisir, j'espère que t'as passé un bon moment carrément. Bah oui. Bah, je te fais des bisous, Roby. À bientôt. Merci, poto. À bientôt. Qu'est-ce qu'il est fort, hein. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Roby. Incroyablement costaud. Bon, pas pour moi, il va être totalement l'heure de vous abandonner aussi, malheureusement. Je sais, vous êtes triste, hein. Et c'est sur cette musique triste que je vais tout simplement vous annoncer que... attendez. Excusez-moi. Ce live... ce live va se terminer. Voilà. C'est... Je suis désolé, excusez-moi. Je m'étais promis de me contrôler et... Je suis désolé, je suis en train de... C'est... Les émotions. Ouh. Je vais devoir vous laisser. Je suis désolé, j'ai les larmes qui me coulent. Je suis vraiment beaucoup trop d'émotions. C'est juste beaucoup trop cool d'être avec vous et ça me fait mal de vous laisser. Donc, oh putain, j'ai vraiment des larmes. Donc, merci à vous tous et à bientôt pour un autre live. Just